Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, vendredi 21 avril 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Pour débuter ce journal, le groupe de presse La Barre par ma voix vous souhaite une bonne fête de Ramadan. Cela dit, la communauté musulmane du monde entier et celle du Niger en particulier est en fête ce vendredi 21 avril 2023, la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan après un mois de jeûne. Ce matin, ils étaient nombreux, les fidèles, à se rendre massivement dans les différentes mosquées de Niamey pour la traditionnelle prière de Idi. C'est l'exemple de la grande mosquée de Niamey qui a reçu donc la visite des officiels pour cette prière de Idi. Il y avait nos reporters également qui étaient sur place, Boubacar Ibrahim et Nasser Sidou. Après l'arrivée et l'installation des officiels et autres représentants diplomatiques, c'est avec l'arrivée du président de la République et l'imam de la grande mosquée qu'a débuté la traditionnelle grande prière de Idi, un événement de grande importance pour les fidèles musulmans qui marque la fin du mois de Ramadan. Après la prière, l'imam a donc son prêche invité les fidèles à craindre Dieu. Cheikh Jibril Karanta a rappelé que la dévotion et la soumission doivent être le quotidien des musulmans et que la fin du Ramadan ne doit pas être une occasion de plonger dans les mauvaises actions. À cette occasion, les officiels ont aussi formulé deux vœux. La paix pour notre pays et le développement, c'est les deux points les plus importants. La sécurité, vous savez, avec dans un environnement d'insécurité, et nous souhaitons que notre pays vraiment continue dans cette voie de développement qui s'est amorcée. À l'occasion de cette fête de Ramadan, j'ai formulé le vœu pour l'ensemble des Nigériens que cette fête soit une occasion de repentir, de pardon, de prière collective pour que Dieu subhanahu wa ta'ala descende sur notre pays, le Niger, la paix, la tranquillité, la compréhension mutuelle et le bon vivre ensemble. Qu'il descende sur notre pays vraiment la paix et le bonheur pour l'ensemble des citoyens nigériens et qu'il pardonne nos péchés. Je profite de cette occasion pour demander aux uns et aux autres pardon pour que Dieu nous pardonne ensemble. Après un mois d'intense consécration et de dévotion, cette fête qui marque la fin du mois de Ramadan est aussi une occasion pour les fidèles musulmans de se rapprocher, se pardonner, créer une entente mutuelle afin de mieux vivre ensemble dans la communion des cœurs. Merci beaucoup, Ibrahim. Veuillez nous excuser donc, comme vous l'avez constaté, nous avons débuté ce journal avec un léger retard dû à une coupure d'électricité. Cela dit, Ibrahim Bokar, vous le disiez ce matin, ils étaient nombreux, les fidèles, à s'y rendre dans les différentes mosquées de Niamey pour la prière de Idi après un mois de jeûne et un mois d'abstinence, donc de boire et de manger, du lever jusqu'au coucher du soleil. Après un mois, les musulmans donc retrouvent leur rythme habituel, donc leur rythme nutritionnel habituel. Comment retrouver donc ses habitudes sans préjudice sur la santé après un mois de privation marqué par quelques jours de forte chaleur? Élément de réponse avec le nutritionniste Abdrazak Bello.
Oui, après le mois de carême, effectivement, il y a un certain nombre de conseils qu'il faudrait appliquer. Cette année particulièrement, le ramadan a eu lieu en période de forte chaleur. Donc, et pendant cette période de forte chaleur, notre organisme a subi le fait d'une hydratation insuffisante. Donc, le premier conseil que je donnerais vraiment après la rupture, après cette rupture-là, c'est vraiment de bien hydrater son organisme en consommant beaucoup d'eau, vraiment le maximum d'eau pour permettre à l'organisme de bien s'hydrater. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai également en cette période-là, c'est que il y a une habitude que nous avons acquise pendant le mois de Ramadan, en tout cas dans la plupart des ménages, on remarque une plus grande consommation des fruits et légumes. Et vraiment, c'est une habitude qu'il faudrait continuer à appliquer en cette période de fin de Ramadan, parce que compte tenu de l'importance de ces fruits et légumes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport au fait que après le Ramadan, du fait que pendant le mois de Ramadan, on n'est pas habitué à manger à midi, donc du coup le déclenchement de la faim, est perturbé. Donc du fait que pendant le mois de Ramadan, on mange surtout la nuit, donc le déclenchement de la faim à midi est perturbé. Donc il y a beaucoup de personnes après le Ramadan auront du mal à manger à midi. Donc il faudrait savoir provoquer la faim. Et pour provoquer la faim, le conseil qu'on donne souvent, c'est vraiment de faire fonctionner le mécanisme visuel de la faim. Autrement dit, pour les personnes qui ont une perte d'appétit, c'est vraiment d'avoir d'avoir des repas à côté. Donc ça va plus petit à petit, ça va amener l'organisme à retrouver son équilibre. Le quatrième conseil également, après cette période de Ramadan, il faudrait également éviter de retomber dans les excès. Donc c'est pour cette raison, pour permettre à ce que l'organisme s'habitue progressivement à la pause des repas dans la journée. Donc le conseil qu'on donnera, c'est vraiment de fractionner les repas, autrement dit, de prendre des petits repas plusieurs fois par jour que de prendre de gros repas en une seule fois, parce que là, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment les troubles digestifs. C'était là donc le nutritionniste Abdelrazak Bello sur les quelques conseils pratiques pour permettre aux fidèles musulmans de retrouver les habitudes nutritionnelles sans conséquence après un mois de privation de boire et de manger. Autre aspect de cette édition, toujours relativement au mois venu des jeunes du Ramadan qui vient de s'achever, il est recommandé aux musulmans encore de poursuivre de jeûne ou de jeûner pendant ce mois de Shawwal. Un jeûne dit-on, accompagner le mois de Ramadan. Quelle est l'importance du jeûne du mois de Shawwal? Précisons avec Oustaz Haladi Haya. Shawwal, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan et qui est très important, un jeûne très important, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et le calcul se présente comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man ja'a bil hasanati falahu ashuru amsaluha ». Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la lui multiplier par 10. Donc un mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc 10 plus 12, ça fait 12 mois de l'année. Et ceci est très important à gagner. Concernant la procédure du site Shawwal, on peut bel et bien faire le site Shawwal, même si on a un jeûne à rembourser. Et donc, puisqu'on a encore 11 mois jusqu'au mois de Shaaban pour rembourser le jeûne obligatoire qu'on a raté, on peut bel et bien donc commencer par le site Shawwal. Et Aïcha radiallahu anha avait donné un témoignage selon lequel
elle a retardé le remboursement du jeûne jusqu'au mois de Charban, qui est le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Oustaz Khaledou Yahya, sur le mois béni, donc le mois de Shawwal, dans lequel aussi il est recommandé aux musulmans de jeûner. L'autre aspect de cette édition, il est devenu une tradition maintenant pour la plus haute juridiction du contrôle des finances publiques du Niger. La Cour des comptes a publié donc chaque année son rapport sur la gestion des finances publiques et autres activités économiques du Niger. C'était hier, donc l'exercice s'est déroulé hier dans les locaux de cette cour. C'était en présence de plusieurs invités, notamment les acteurs de la société civile et la presse. Le premier président de cette cour de compte, professeur Oumarou Naré, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine, plus en détail sur ce rapport. Et des documents nécessaires au contrôle. La sous-évaluation des recettes exceptionnelles ainsi que leur faible exécution. Les incohérences dans les données relatives aux dépenses de la dette publique, le non-respect de certains critères de convergence, la dégradation du déficit budgétaire, le caractère non explicite des données sur les recettes à recouvrer, la persistance des résultats déficitaires au niveau de certains comptes spéciaux du Trésor, le non-fonctionnement de certains matériels médicaux et ouvrages, la non-exploitation d'un avion agricole acquis pour le compte de la direction de la production des végétaux, de la protection pardon, des végétaux, les défaillances dans l'exécution de certains travaux d'aménagement et de construction, la non-conformité de certains rapports annuels de performance au canevas d'élaboration, les insuffisances liées aux informations fournies au regard des critères d'évaluation généralement admis, la défaillance du dispositif de contrôle interne mis en place au niveau des régions pour l'exécution et le suivi des différents travaux. Professeur Oumarou Naré, premier président de la Cour de compte, que vous retrouverez plus en détail en partie magazine de ce journal sur le rapport 2022 de la Cour de compte. 4 morts, c'est le bilan de l'effondrement d'un bâtiment en chantier au quartier Calais-Est de Niamey. Le drame s'est produit le mercredi 19 avril dernier dans l'après-midi. Le jeudi, donc le lendemain de cette incident, la Direction générale de la protection civile a fait le point sur cet effondrement. Ismaël Moumouni et Nassar Seydou nous en disent plus. Cette ruine en plein capital fait suite à l'effondrement d'un immeuble en construction au quartier Calais-Est. La maison s'est écroulée sous des personnes. Le bilan est triste car on déplore 4 morts et 7 blessés. Cette situation tragique est intervenue par manque de respect des normes en matière de construction selon la direction de la protection civile. L'effondrement de l'immeuble donc, a dû se faire suite en fait, à des insuffisances dans les matériaux de construction utilisés, notamment le dosage au niveau du béton et les fers et aussi la structure du bâtiment. Il faut se rappeler que le permis de construire est un document obligatoire. Et quels sont les textes qui sous-tendent le permis de construire au Niger? C'est d'abord la loi 2017-020 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain au Niger. Ensuite, la loi 2018-025 du 27 avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de l'habitation. Ces deux lois ont été l'objet de deux décrets d'application subséquents. Alors, le premier décret d'application concerne donc la fixation des modalités d'établissement des permis de construire. Qu'est-ce qu'est le permis de construire? Le permis de construire est un acte administratif qui autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles d'urbanisme et de servitude
d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ainsi que les normes de construction. Ce genre de situation pouvait être évité si le constructeur respecte les normes tout en faisant appel à des professionnels du métier. C'est que pour construire une maison, on doit se doter d'une autorisation, d'un permis de construire. Et le législateur nigérien, le gouvernement, a créé les conditions pour faciliter cela. Et les autorités municipales qui ont en charge la sécurité des personnes et des biens, quel que soit le type d'habitat, que ce soit l'habitation personnelle, que ce soit une école, donc le cadre d'établissement du public, ont la capacité, à travers l'expertise, de vous autoriser, à condition que vous allez chez les professionnels. Donc si ce monsieur, le promoteur immobilier là, était allé chez un professionnel, je pense que les manquements qui ont provoqué cet accident d'hier ne se seraient pas, en tout cas, ne seraient pas arrivés. Il n'y aurait pas eu ces manquements. Les professionnels sont là, donc l'appel que nous lançons, c'est d'aller chez les architectes. C'est d'aller dans les cabinets d'architecture où il y a toutes les expertises qui vont concourir à vous faire un montage de dossier qui va vous permettre de construire votre bâtiment moins cher. Ce n'est pas pour la première fois qu'un immeuble s'effondre à Niamey avec son lot de dégâts. Merci Ismaël Moumouni. Nous en venons à présent à la partie magazine. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à la présentation du rapport général 2022 de la Cour des comptes. Comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités ont été révélées. Le détail avec le premier président de cette cour, le professeur Oumarou Nane. Très bonne réception. Le rapport général public 2022, comme les précédents, comprend deux parties. La première est consacrée au suivi des recommandations antérieures effectuées par la Cour et la seconde partie porte sur les résultats des contrôles menés au cours de l'année 2022. S'agissant du suivi des recommandations antérieures, la Cour a mis en évidence que la mise en œuvre des recommandations par l'État s'est globalement amélioré en 2022 par rapport à l'année précédente. Cependant, malgré le suivi constant de l'institution et l'accompagnement soutenu du gouvernement, il n'est pas de même en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte, les établissements publics à caractère social. Toutefois, la mise en œuvre des recommandations par certains projets et programmes s'avère satisfaisante parce qu'ayant atteint 100%. En ce qui concerne les résultats des contrôles, objet de la deuxième partie du rapport général public, la Cour a relevé la persistance des dysfonctionnements et insuffisances ainsi que des irrégularités au sein des entités contrôlées. Premièrement, en matière du contrôle des opérations de l'État, la Cour a relevé ce qui suit. Le non-respect du principe d'intangibilité des soldes, de l'existence de soldes anormaux. La présence irrégulière de certains comptes dans les balances générales des différents comptables. Les défaillances au niveau de la confection des comptes. L'exécution des dépenses sur la base des pièces justificatives inexactes. Le versement d'avances non conformes aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de services publics. L'absence de pièces justificatives des recettes. La transmission tardive à la Cour du projet de loi de règlement et des documents nécessaires au contrôle. La sous-évaluation des recettes exceptionnelles ainsi que leur faible exécution. Les incohérences dans les données relatives aux dépenses de la dette publique. Le non-respect de certains critères de convergence. La dégradation du déficit budgétaire.
le caractère non explicite des données sur les recettes à recouvrer, la persistance des résultats déficitaires au niveau de certains comptes spéciaux du Trésor, le non-fonctionnement de certains matériels médicaux et ouvrages, la non-exploitation d'un avion agricole acquis pour le compte de la direction de la production des végétaux, de la protection, pardon, des végétaux, les défaillances dans l'exécution de certains travaux d'aménagement et de construction, la non-conformité de certains rapports annuels de performance au canevas d'élaboration, les insuffisances liées aux informations fournies au regard des critères d'évaluation généralement admis, la défaillance du dispositif de contrôle interne mis en place au niveau des régions pour l'exécution et le suivi des différents travaux. Deuxièmement, en matière du contrôle des opérations des collectivités territoriales, la Cour a relevé les insuffisances et irrégularités suivantes. La mauvaise imputation budgétaire, le non-respect du code des marchés publics et de délégation de services publics, la non-production d'ordre de recettes pour les retenues opérées, la non-production des documents administratifs relatifs à la situation personnelle des receveurs, la mauvaise tenue des livres journaux, des recouvrements et des paiements, des discordances entre les montants inscrits dans les comptes de gestion et ceux des opérations enregistrées dans les livres journaux des recouvrements et des paiements, d'une part, et entre les soldes de clôture et les soldes d'ouverture, d'autre part. Le non-respect de la réglementation en matière budgétaire, les manquements dans l'exécution des dépenses, les insuffisances dans le fonctionnement des organes, la gestion peu rigoureuse du patrimoine foncier, la gestion peu efficace du personnel, le faible taux d'exécution des budgets, la non-soumission des rôles à l'approbation du conseil municipal, les insuffisances dans la tenue de la comptabilité, le défaut d'exécution des travaux de viabilisation des terrains, telles sont les insuffisances et irrégularités portant sur le contrôle des opérations des collectivités territoriales. Troisièmement, en matière de contrôle des sociétés d'État et d'économie mixte, des établissements publics, des projets et programmes, il a été relevé les dysfonctionnements, insuffisances et irrégularités ci-après. L'insuffisance de ressources humaines et de moyens logistiques, les manquements dans l'exécution de certains marchés, le défaut de précompte de l'impôt sur les bénéfices, la réalisation d'ouvrages dans des conditions peu économiques et ou peu efficaces, l'absence de description des procédures de gestion, les dysfonctionnements des organes exécutifs et délibérants, les pratiques susceptibles de porter atteinte à la performance comme l'octroi d'avantages indus au personnel et aux administrateurs, et enfin le paiement de dépenses au-delà des travaux exécutés, etc. Quatrièmement, en matière de la discipline budgétaire et financière, du contrôle des comptes des partis politiques et des déclarations des biens. Le contrôle des déclarations des biens a fait ressortir que la plupart des hautes personnalités ont respecté l'obligation de déclarer leurs biens à la Cour. Quant au contrôle des comptes des partis politiques, il a permis de relever, entre autres, premièrement, le retard dans le dépôt des comptes par certains partis, ainsi que la non-conformité des états financiers aux normes et celle des moyens de financement d'autres partis. Deuxièmement, le fait qu'aucun parti n'ait présenté de compte annuel régulier et sincère. Troisièmement, le fait qu'aucun compte
des élections n'ait été présenté conformément à la charte des partis politiques. Mesdames et messieurs, chers invités, au-delà des observations formulées, les contrôles opérés par la Cour lui ont permis de tirer un certain nombre d'enseignements en termes de points positifs et d'améliorations à apporter. Au titre des points positifs, il convient de souligner l'amélioration progressive de la mobilisation des ressources de l'État. Deuxièmement, l'allocation de plus en plus importante par l'État des ressources pour le financement des investissements, le respect des critères de convergence relatifs à l'inflation et à l'encours de la dette, ainsi que la mise en œuvre satisfaisante des recommandations de la Cour par l'État et par certains organismes et projets de programme. S'y ajoute la mise en œuvre de plus en plus évidente des budgets programmes se traduisant par l'élaboration des rapports annuels de performance dont les informations contenues dans ceux de 2020 ont été jugées assez pertinentes, compréhensibles et équilibrées et moyennement exactes et utiles. Quant aux points à améliorer, ils portent notamment sur les aspects suivants. Premièrement, le niveau de déficit budgétaire de l'État et des critères de convergence relatifs au ratio de la masse salariale et à la pression fiscale. Deuxièmement, le niveau de mise en œuvre des recommandations par certains établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'État, sociétés d'économie mixte. Troisièmement, le dépôt à bonne date du projet de la loi de règlement et des annexes à la Cour des comptes, les résultats de certains comptes spéciaux du Trésor et les opérations budgétaires pour d'autres, la gestion administrative, financière et comptable des collectivités territoriales, l'exécution des marchés publics sous financement de l'État, des projets, des programmes et autres organismes. La transmission à la Cour de l'état de mise en œuvre des recommandations par les parties prenantes concernées. Le dépôt des déclarations des biens et la production des comptes des partis politiques. La gouvernance des entités publiques. La performance des projets et programmes de développement. Et enfin, la gestion des autorités administratives indépendantes. Mesdames et messieurs, chers invités, telle est la quintessence du rapport général public 2022, élaboré dans le strict respect des textes régissant la Cour des comptes, ainsi que les normes internationales en matière de contrôle des finances publiques.